Et bonjour, bienvenue sur RC Atomic FR pour une petite vidéo concernant les premiers tests de la BZ5. Donc, vous allez la voir tourner en dessous. Mon premier ressenti, bon, déjà le montage, c'était pas trop mal. Je constate que quand on fait pas le polissage des plaques de diff, tout ça, on n'a pas un diff, il a tendance à cirer plus en fait. Que si il n'était pas poli, quand il est poli, il cire au moins, donc on peut le serrer un peu plus tout en étant bien souple, bien libre, sans grignotage et sans pointe dure. Ça c'est important, les diffs c'est la base sur les petites voitures. Après, bon, y a les ressorts arrière qui sont un peu longs, donc j'ai passé les ressorts rouges avant, je les ai passés à l'arrière pour pouvoir régler la garde au sol. J'ai des pneus pas tournés, j'avais mis 4 pneus neufs. Et après, frein particulier, la voiture est souple et facile à prendre en main rapidement, que ce soit, elle paraît pas aussi difficile à piloter quand on la prête à un débutant. Il va y arriver plus facilement sur une BZ5 que sur une BZ3 bien préparée. Et on arrive, franchement, je suis à 2 dixièmes, je crois, ou 1 dixième de mon meilleur chrono avec la BZ3 pour une sortie de boîte BZ5. Je trouve que c'est pas mal, peut-être en corrigeant la chasse. J'ai l'arrière qui glisse, vous voyez sur la vidéo. L'arrière tient pas. Bon, ce soir-là, on n'avait pas passé l'aspirateur. Il faisait excessivement chaud dans la salle. On avait la flemme un peu. Donc, piste sale, RCP qui a plus de 10 ans, voire 15 ans. Une adhérence très légère. Mais la voiture était quand même facile à piloter. On prend du plaisir. Elle est souple. Elle a une bonne roue libre. Franchement, je vois que du positif. C'est une belle évolution de la BZ3. Ça faisait quelques années qu'on l'attendait, évidemment. Mais voilà, c'était pour vous donner mon petit ressenti sur cette BZ5. Les options arrivent au fur et à mesure. Bientôt les barres anti-roulis, j'espère. Pour les grandes pistes, nous, sur notre petite piste, ça n'a pas grand intérêt. Mais ouais, je pense qu'elle a un bel avenir, cette voiture. Voilà, je vous laisse continuer à regarder. Salut!